C'est vrai. Mais moi, mes meilleurs souvenirs de cours d'école, c'était vraiment genre parler de secrets de Ocarina of Time, là. Ah Genre, schoolyard, walkthroughs, pis ouais? facts, là. Mais moi, mes meilleurs souvenirs de Oups, cours il y a d'école, de c'était vraiment genre. J'aurais été un dieu, moi, dans le Secrets temps, fuck. de Ocarina of Je peux-tu déménager pour passer à Time. ton école secondaire, Alex? Sure. Marty! C'est ça, en secondaire 4, là, c'était le gros hype autour de Smash Bros. Brawl. Là, secondaire avec le 4? site qui faisait des. Ben, mon secondaire 4. Move. Les spoils à chaque semaine environ de. Oh, oui, parce qu'il y avait un site web où il sortait une nouvelle à chaque jour. À chaque semaine, à genre 3h du matin, si je me trompe pas. Chaque là. Jour, dude, il y avait une nouvelle. Mais des fois, c'était des nouvelles de merde, là. Mais c'était sur Melee, ça, ou sur. Brawl. Ok, oui, Brawl, ouais, je me rappelle. T'avais genre SuperSmashBros.com, puis il sortait des informations, là. Mais il n'y avait pas spoilé comme tous les personnages avant qu'ils sortent. Non. Non. Ben, il me semble que t'avais une section justement spoil, que c'était les personnages que tu pouvais unlocker dans le jeu. Ouais, exact. Ils annonçaient, comme mettons, Sonic avait été annoncé de même, Snake avait été annoncé de même. C'est ça, mais t'es, ils te le disaient quand c'était un spoil, puis genre, tu pouvais ne pas cliquer pour ne pas savoir, mais il y avait moyen de savoir. Tu voyais son, sa silhouette, genre. Le jeu est sorti pendant une tempête de neige. Ouais. Je me rappelle, j'avais. À minuit, il y avait. J'étais en Ontario. Puis les magasins ouvraient à minuit. Fait que, ben, ils pas ouvraient, mais restaient ouverts 24 heures. Par exemple, Walmart, il était ouvert 24 heures. Puis je me rappelle avoir rentré dans la tempête, puis tu sais, fait que les chars avançaient pas. Moi, j'ai fait quoi? Allez, ma smash! J'avais besoin de mon smash. Je suis rentré à minuit dans le Walmart. Puis il y avait comme un fucking gros line-up en informatique. Ben, genre dans la petite section informatique. Puis genre, il y a un gars, genre, qui travaille là, qui arrive, puis il dit, si vous faites ça, comme, ben là, smash sort à minuit! Tu peux nous le vendre à minuit! Ah! Oh. Fait que là, t'es allé chercher une copie après, là. Nice. C'était malade. Puis j'ai comme joué jusqu'à 4h du matin. Normalement, moi, je joue pas des jeux jusqu'à 4h du matin. Je dis ça de même, je sais pas si vous êtes habitué de me voir, là, mais c'est ça. Hey, je suis seul pour qui les caméras, ils ont fait. Non, ça a tout droppé, moi aussi. What? Yep. Ouais, tu seras pas long, guys, petit problème technique. C'est les lundis avec les caméras. Check, on perd pas de temps, on fait on juste. Est mardi. On refait le call. Quelqu'un fait le call. Ok. Ça sera pas moi. Putain, pas plus compliqué que ça, guys. Pas plus compliqué que ça. Comment ça va tout le monde à la maison? On va commencer dans quelques instants. All right. Is everybody there? Ah. Yep. Just missing Matthew. Dead. There we go. And Matthew is here. Dead. I am. Parfait. Fait que si tout est beau, quand je vais retourner sur l'autre scène, ça devrait être parfait. Si ça c'est juste qu'on a une qualité audio moins bonne, mais ça va peut-être s'ajuster. La qualité caméra, je pense, par contre, on est passé en 16.9 au lieu de 4.3. Ah, ouais. Shit, c'est vraiment en 16.9. Fuck me! Damn it! Damn it! Oh my god. Ça va? Est-ce qu'on recommence encore? En fait, est-ce que vous avez reçu une notification courriel, guys, à la maison? Ça veut dire? Moi, j'ai rien reçu. Moi, je reçois pas de notification quand notre compte va live. Moi, je viens de rien recevoir pour le moment. Mais ça, c'est parce que vous avez retourné live il y a 3 heures. Qu'est-ce que ça fait? Je pense qu'il y a un délai. Genre, il va pas. Si tu déconnectes puis tu reconnectes, il va pas renvoyer une notification. T'es-tu sérieux? C'est bien papa, caca! Je pense que ouais. C'est bien papa! si ça fait. Je sais pas c'est quoi la période débarque. De temps, mais si ça fait assez longtemps, il renvoie une notification comme j'ai deux notifications aujourd'hui, une à 10h15 du matin pour moi, puis une à 15h12. Donc tu vois, pour au-dessus de 4 heures, ça le fait, mais en dessous de 3 heures, ça n'a pas l'air de le faire. Serais-tu capable de nous confirmer avant la semaine prochaine? Comment est-ce qu'elle disparaît de la caméra? Comment regarde? Je suis un fantôme. Notre invité spécial ce soir, DX Racer Chair. Bon, mais gars, je m'excuse d'avoir streamé du Mighty No. 9 tantôt. Oh, t'es pardonné. T'as-tu dit, t'es perdant? Wow! What? Je l'ai. T'as-tu vu?
T'as peut-être couvert de Space Juice. Ben, on peut starter, mais. Ça va-tu fucking caméra, c'est ça l'affaire? Ça va. T'as déjà montré en live cette affaire-là, là, comment est-ce que. Ça? Ouais. Ouais, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Alright, go, mets-le. Un chien en arrière. Ouais. Garde ça de même. Garde ça de même, on va commencer de même, comment est-ce que. Peut-être l'invité de mystère. Allez, je ferme ma porte parce que la climatisée est en train de me friser. Vous avez pas reconnu ma voix. Ok. Go for it. Ah oui, ça, je vais demander à Matt. Matt! Mais! Matt est demandé à l'antenne. Matt est demandé à l'antenne. Tu l'as dit, Mathieu, on y va-tu dans l'ordre que qu'est-ce que tu l'as écrit, Matt, ou c'est juste des bullet points? Non. Moi, c'est des bullet points, là. Fait que j'ai pitché ça dans le document, puis okay. Bang, bang, bang. On fait ça dans l'ordre qu'on veut, puis on souligne ou on met des affaires bleues, puis on fait des carrés, on met des gros X partout. Je sais pas. Parce que dans ce cas-là, ça, je le mettrais plus quand on va parler de tout le reste. What? Tous les sujets qui ne sont pas de PlayStation. Mais non! moi, ça, là, j'aimerais ça l'avoir au début parce que je veux plus parler de comment c'était d'être okay, là, puis comment on est rentré là. Puis tout ça. Puis après, dans les détails pour tous les jeux. Ok. Exact. Ouais, fait qu'on commence vraiment avec le côté, genre, visiteur du E3, là. Yep. Alright, c'est cool. Fait qu'on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Là! Salut tout le monde, bienvenue au Epic Talk Show pour la semaine du 24 décembre 2014. On a un invité mystère aujourd'hui, les amis. Je suis accompagné d'habitude de Francis Jeté et Mathieu Gamache. Mon famille! Mais qui est cet invité? Qui est-il? C'est qui? C'est un chien! Ah, oh, c'est Capodog! C'est quoi? C'est... Hey! C'est Cool Mad Skate. Ami, streamer, analyste RDS, comment ça va? Attends, moi aussi! J'ai mal entendu. Analyste, non, ça va. Oui? Ça va très bien. C'est lui! Il y a une tasse LCN! C'est lui le reporter! Qui a la tasse LCN? Ah, c'est une tasse LCN! Ah! Eh bien, bienvenue! Oui, Jean-Luc Mongrain. Cette semaine, nous avons Cédric. Nous avons Cédric, bienvenue. Fais-nous ta voix la plus drôle que tu es capable de faire. Uh-oh. Oui, allô! Je savais. C'était clair. Bienvenue! On a lancé un défi hier de faire le show complet avec cette voix-là. Sérieux? Oui. Mais je ne le ferai pas. Good. Anne, je sais pas si c'est vrai, mais... J'ai reçu un message de Benito sur, par le chat d'Overwatch qui dit « Il paraît qu'il y a une prise d'otage sur Egan et Verdun. Be safe. » Pardon? C'est vrai, là? Ben, c'est plus loin qu'ici, mais c'est quand même pas si loin que ça. Je te l'avais dit, man! Verdun! We're fucking gonna die. Be safe? We're gonna die. Oui, il a dit be safe. Il a vraiment écrit be safe, en plus. Oh my god. Est-ce qu'on va survivre? One up! Yeah. Oh god, ça serait fucked up. Mais c'était comme Lost Girl hier. Lost Girl, pendant les Monday Fun Day, il jouait à Dead by Daylight. Puis, tout d'un coup, t'entends un gros bruit dans le micro à Lost Girl. Puis, tu sais, déjà, il joue à un jeu d'horreur. Puis, elle dit. La seule chose qu'elle dit, elle est comme, oh my god, je vais perdre le courant, guys. Puis, Sa soeur qui est en train de checker, puis là, elle s'est levée, elle a fermé sa caméra, puis elle est partie. Mais ça a vraiment fait comme, oh shit, mon air climatisé, puis là, son stream, son Skype a fermé. Ça faisait tellement comme film d'horreur, là. Ouais. C'était un petit peu épeurant. Mais hey, bienvenue, Comment Skate, à l'émission. Parle-nous vite de toi, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci côté Twitch? Côté Twitch, côté à part les money funding, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Je suis plate comme ça. Le plus récemment que j'ai fait, j'ai joué du HTC Vive. Ouais, puis? C'est vraiment le fun. Je dois t'avouer je commence à tomber en amour, là. j'ai pas regretté mon achat. Ouais? C'est quoi ta vision du VR, Common Skate? Parce que moi, j'ai besoin à croire ça, j'ai besoin d'embarquer, ça me fait un peu le même effet que le c'est 3D. C'est vraiment difficile à... Sincèrement, il faut l'essayer pour comprendre. Ouais. Tu vois du monde jouer, puis ils mettent une image comme 2D de eux, ce qu'ils voient, mais c'est pas la même chose. C'est quand ça, t'as pas l'expérience. C'est ça, c'est quand tu l'essayes que tu comprends le potentiel, puis c'est vraiment immersif comme
tu te crois dans une salle. Les bons VR comme le HTC Vive, tu te crois être là. Parce que, mettons, Valve ont fait une bonne initiative, mettons, de mettre le un tiers de leur team sur le VR. C'est parce qu'il y a réellement un avenir alentour de ça qui peut être bâti, qui peut être concret, là, dans le fond, contrairement peut-être à la 3D. Oui, je pense qu'il y a un gros potentiel. Ben, moi, je veux dire, j'ai essayé plusieurs VR, là. J'ai essayé le Samsung, lui, que tu mets directement un téléphone. J'ai essayé le Oculus Rift, puis j'ai essayé le HTC Vive. Là. Mm-hmm. Je veux dire, le HTC Vive, j'ai trouvé que c'est lui qui me rend le moins malade, genre littéralement malade. Ouais. Puis je sais pas si c'est le framerate qui est plus haut dedans ou que c'était les Oculus, c'était tout le temps des ordinateurs de marde qu'il avait mis avec. Là. Mm-hmm. Mais les gens qui m'ont vu jouer, c'était où qu'on était déjà? Au LAN ETS. On a vu que j'étais vraiment dedans, puis c'est le premier jeu que je jouais vraiment, que je vois, j'étais capable de voir mes mains, puis à ce point-là, je me disais, hey, je suis capable de me tourner de bord, puis ça me donne pas la nausée. Puis tous les jeux que j'ai essayé juste là sur Oculus Rift, je sais pas si la résolution ou le fait que c'était pas assez réaliste, mais je me sentais toujours mal. Genre après quelques secondes, je me suis grandi comme, ah, oh. C'est pas à cause que c'est un roller coaster, c'est juste parce qu'on dirait que je suis comme. Ouais. Je sais pas, la résolution était mal optimisée. C'est qu'on parle vraiment d'un casque qui peut être de meilleure qualité que d'autres. Là, ici, là. Je pense que tu l'avais dit, Communicate, en stream. Si le jeu ou si ton ordi n'est pas capable de faire au moins 60 FPS avec le Vive, tu risques de ressentir un peu comme le côté nausée. Genre, tu sais, ça prend au moins 60 FPS. Fait que peut-être que ça explique même, un peu pour moi. Même, il recommande, je pense, 90 FPS pour les jeux VR pour que ça soit pas trop malaisant. Ça veut pas dire que si ça drop en dessous, que ça va devenir automatiquement malaisant. Ouais, ouais. Mais c'est recommandé d'avoir vraiment une bonne performance. Ben là, c'est drôle, comme je voulais pas trop qu'on en parle longtemps, mais ça m'amène à un point que Video Games Awesome, eux, ils ont streamé beaucoup de HTC Vive cette semaine, puis ils disaient qu'ils ont testé, par exemple, Minecraft, OK? Minecraft qui est officiellement pas supporté par HTC. Y a pas encore un Minecraft officiel. Par Mojang, fait pour le VR. Exact. C'est vraiment un mod que des fans ont fait du jeu Minecraft avec le VR. Puis apparemment que ça va très très bien pour construire tout ça, mais au moment que tu marches, que tu déplaces ton personnage, nausée instantanée. Le dude de Video Games Awesome, il a pas filé. Fait, il est allé prendre une douche, puis même après sa douche, il filait pas plus. Ça. Fait qu'on dirait vraiment que c'est cas par cas. Là. Ouais, ben c'est sûr que c'est par personne aussi, mais ça dépend aussi des jeux. C'est comme... J'ai essayé quelque chose avec le PlayStation VR, puis c'est vraiment bizarre le fait de voir en 3D, mais de te déplacer avec une manette. C'est ça, c'est au moment que tu te déplaces. Ouais. C'est ça, c'est comme... Le pire, assis, ça doit être moins pire, mais tu sais, quand je l'ai essayé, j'étais debout. Puis là, à un moment donné, tu marches, mais t'es sur le bord d'une falaise, puis t'sais, d'habitude, c'est pour simuler que genre... Tu fais un faux pas, t'es censé tomber. Mm-hmm. Puis là, ton corps, il comprend plus rien. Ouais, t'avances. Puis là, t'as l'impression que t'es au point de tomber. Puis là, ton corps, il réagit. Mais c'est que tu te déplaces avec une manette. Ça fait bizarre. Là. Ton corps, il est comme plus synchronisé avec qu'est-ce que tu vois. Là. Exact. Non, ça a l'air assez... Mais, OK, admettons là, que t'aurais une gang de chums chez vous. Ce serait quoi le jeu que tu leur montrerais? Comme côté stabilité du jeu, qui donne pas trop de nausées, qui démontre exactement c'est quoi le VR, là. De ceux que t'as essayé. Moi, ce que j'aime bien, il y a Club Simulator. C'est vraiment nono, mais c'est vraiment fun à jouer. Fucking drôle. J'ai vu beaucoup de gens jouer, là. C'est quand même drôle. Il y a un jeu que moi, je capote dessus. J'ai pas le nom par cœur. C'est un jeu de musique que je peux te retrouver en deux secondes. Ça s'appelle Audio Shield. Donc, t'as une musique qui joue. Mm-hmm. Puis, t'as un peu comme au Guitar Hero, t'as des bulles qui arrivent. Puis, avec ton bouclier, il faut que tu bloques les bulles, puis t'as deux boucliers de couleurs. Faut que tu utilises les bonnes couleurs. Selon ce qui t'envoie. C'est ça. Ouais, je l'ai ici. Puis c'est. Ouais, exactement ça, là. Moi, c'est. Puis là, ça, c'est une vue 3. C'est une vue 2D. Ouais. Mais toi, tu vois vraiment les bulles arriver vers toi. Puis c'est. Vu que tu te déplaces pas, que tu fais juste bouger les boucliers, sincèrement. L'immersion doit être plus intense. Ouais, c'est vraiment bon comme expérience. Intéressant. Moi, ça sera pas mal, t'as pas de t'auras pas de nausée récemment là-dessus non plus. Fait que, non, j'avoue le fait que c'est statique, ça va être... Exact, ton personnage bouge pas, tu sais. Ah, il y a même une troisième couleur en mélangeant les deux, puis. Hein. Ah, nice. Ouais.
Mais là, vous me donnez le goût de... OK, une des raisons pourquoi je commence à être vraiment intéressé dans le VR, c'était justement pour revenir à Video Games Awesome. Là. Je veux pas juste les handjobber non plus. Là. Mais ils ont fait de quoi de vraiment cool. Puis je te l'avais montré, CMS. T'as-tu essayé le jeu Fantastic Contraption? Oui, je l'ai essayé aussi. OK, ça, Matt, je pense que t'aimerais vraiment ça. Dans le fond, c'est que t'as une genre de bulle que tu dois amener jusqu'au prochain point. Mais pour l'amener au prochain point, il faut que tu crées une machine avec des roues qui va fonctionner. Qui va être capable de pousser la bubule, là, si on veut. Je sais pas si c'est une bonne façon de décrire CMS. Oui, c'est une bonne façon de décrire. Ouais. Puis, c'est que t'as un espace limité pour le construire, puis des fois, il faut vraiment que tu l'emmènes plus loin. Donc, faut que tu fasses un mécanisme qui roule, mais si tu places ton rouleau qui roule juste un peu de biais, il va partir tout croche. Donc... Right. En tout cas, je vais vous montrer juste un petit bout, là. Puis après ça, on va embarquer dans le 3, là. Mais checker ce qu'elle a fait. T'es en train de travailler sur une machine. Puis, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ce jeu-là, apparemment que c'est un des seuls jeux VR qui donne la possibilité de mettre, dans le fond, le foreground par-dessus la personne. Fait que ça a été pensé pour les streamers. Fait que tu vois comme elle a manipulé les objets. Nice. Ouais. Ta voix manipuler les objets puis construire. Puis ça, c'est un des seuls jeux qui permet de le faire. Fait que dans le futur, j'espère que d'autres créateurs de jeux VR vont garder ça en tête. Fait que je trouve ça vraiment cool comme effet. Tu sais, ta voix vraiment manipuler les objets et construire son contraption. Attends, je vais vous montrer un meilleur exemple ici, là. Non, puis c'est ça, c'est vraiment ça. C'est sûr que quand tu me l'as montré, j'ai trouvé ça vraiment nice pour un stream. Ouais. Puis, ce que vous voyez en arrière de elle, ça, c'est elle, qu'est-ce qu'elle voit dans son casque. Exactement. Puis là, c'est là que c'est difficile à dire parce que, tu sais, ça fait vraiment 2D. T'as l'impression que tu joues à un jeu 2D, mais quand t'es dans le VR, t'as vraiment l'aspect de profondeur. Tu vois les trucs au fond qui ont l'air vraiment loin. Non, vraiment, c'est vraiment dit. Vous le voir, c'est vraiment pas comme l'essayer. Mm-hmm. Non, définitivement. Ah, ça a de l'air malade. Ça a de l'air malade juste de le regarder. Moi, je trippe. Alex, on se pogne un VR. Ben, j'ai le goût. Je dois t'avouer là, que cette semaine, ça a passé proche de juste faire comme un snap-by. Là. J'aime l'idée. Tu sais, à date, j'aime l'idée vers où ça s'en ligne. Mm-hmm. Je serais pas convaincu encore de genre, payer plein prix pour. Mais c'est sûr que c'est encore à l'état embryonnaire, donc c'est vraiment pas au plein potentiel, mais plus que ça avance, plus qu'il y a des bonnes idées, qu'il y a des trucs intéressants, puis on voit que le VR s'en va dans une bonne lignée pour les jeux vidéo. Ce que j'aime aussi, c'est qu'apparemment que le casque est. Ben, je l'ai essayé, là, le casque est très confortable, le Vive. Puis les espèces de manettes que tu as dans les mains qui viennent avec, by the way, ce qui est vraiment cool, sont vraiment confus aussi. Tu as l'impression d'avoir soit un gun dans tes mains, d'avoir un outil. Tu sais, comme le feel te donne l'impression que tu pourras avoir n'importe quel objet qui fit avec le jeu, right? Exact, en effet. Ouais. Fait que toi, tu le conseilles. Ça répond vraiment bien, là. Ça track vraiment la position parfaitement. Mm-hmm. C'est comme je disais, Markiplier, il a joué justement à Job Simulator, que tu parlais un petit peu, avec Golden Skate. Puis à un moment donné, lui, il gossait avec plein d'affaires. Il fallait qu'il trouve des papiers sur son bureau. Là. Puis là, il pitchait des papiers, puis tout. Puis il a fini par pogner sa manette, puis le pitcher dans la... Il l'a vraiment pitché parce qu'il pensait qu'il était tellement dans le jeu qu'il se réalisait pas que c'est pas vraiment ses mains. C'est pour ça qu'il y a des dragons pour pas que ta manette... Ils n'utilisaient pas. Définitivement, ils n'utilisaient pas. Always wear your wrist strap. Yep. Fait que pour toi, Command Skate, ça vaut la peine de l'acheter, le Vive, à son état actuel, son prix actuel? Ben, quelqu'un qui veut vraiment essayer, puis c'est sûr qu'il a les moyens monétaires parce que c'est pas donné, je pense que ça vaut la peine, mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui va être plus peaufiné, c'est sûr que d'après moi, les prochaines générations vont être vraiment meilleures. Ça, c'est sûr. OK, cool. On passe tout de suite à la question du jour avant de... Allons-y. Ouais. Ben ça, je suis en train de faire un petit message sur les Facebook et les Twitters, vu que ça ne l'a pas envoyé de notification disant qu'on était live. Mais comme d'habitude, on a la question du jour. Et cette semaine, c'est pas compliqué. Quel a été votre coup de cœur au E3 2016? Et pourquoi? Pourquoi? Bien important. Très important. Tu les mettais sur Twitter, Alex? Ou... Je te laisse y aller si ça te dérange pas. OK. Publié. C'est ça. Fait, très important à mentionner, Command Skate, tu as eu la chance d'assister. Tu as été au E3, tu as été sur le show floor. On va commencer avec toi. En gros, tu peux peut-être nous commencer avec qu'est-ce que tu as
qu'est-ce que t'as aimé le plus? C'était quoi ton coup de cœur? Puis de là, on va avancer la conversation. Ben, ça, savoir, c'est juste être là, puis voir les kiosques, c'est irréaliste. Quand tu vas voir les trois grosses compagnies, Microsoft, Sony, Nintendo, c'est énorme. Ils mettent de la décoration partout. Puis même les plus petits, Mafia 3 avait un espèce de bar un peu western que tu pouvais rentrer pour attendre. Puis il y avait un band qui jouait de la musique. Puis tu avais un deuxième étage quand tu étais allé dans la salle pour voir le jeu. T'arrives à Bethesda, puis c'est des murs qui vont jusqu'au plafond. Puis c'est un amphithéâtre. Ben, pas un amphithéâtre, c'est un palais des congrès. Donc, tu sais, le toit est vraiment haut, puis là, t'arrives, t'es juste comme « Wow, c'est immense! » Nice. Il y a tellement de budget qui est mis juste pour l'environnement l'ambiance de... C'est ça, pour l'ambiance que t'arrives là, puis c'est impressionnant, puis c'est immense. C'est deux halls. Je sais même pas c'est quoi la superficie, mais c'est immense. Vas-y. Je voulais savoir comment c'était l'attente avant de pouvoir rentrer. Parce que j'ai vu que Mathieu Joux était dans le chat avec nous autres quand on regardait la conférence de Nintendo. Puis il a dit qu'il était en avant de la porte de Nintendo. Puis il fallait qu'il attende, puis qu'il était en retard. Puis il y avait comme des dizaines de gens autour de lui. Y avait-tu du hype dans les line-up? Ben, c'est sûr que le monde était hype pour essayer les jeux. Il y a des kiosques, des booths que l'attente était juste énormément longue. Puis t'as des jeux que c'était pas trop long. Comme Nintendo, Nintendo avait juste Zelda pour essayer. Ouais. Puis l'attente, si t'arrivais pas dans la première heure que l'expo ouvrait pour les médias, c'était... Ils loquaient la file pour le reste de la journée. Holy what? Fuck! Donc, what? Admettons, le mercredi, ça ouvre à 10h, ça ferme à 6. À 11h, il y avait quelqu'un à la fin de la file pour dire que la file était fermée puis qu'il n'y avait plus rien. Donc, les derniers, ils allaient attendre jusqu'à 6h du soir pour pouvoir espérer jouer à Zelda. T'étais-tu là, toi? T'étais-tu dans le premier 1h? Moi, je suis revenu le jeudi, puis je suis allé là directement dès le début, puis j'ai attendu 1h. OK. Tout le monde dit, c'est le dude qui a volé la copie de Zelda qui est retourné chez eux plus tôt. Oui! C'est vrai, il y a quelqu'un qui a essayé de l'uploader. Hein, voler le démo. Oh, damn, pour vrai? Ouais. Aïe, aïe. Puis il a été arrêté juste à temps, là. Ouais. D'ailleurs, on va commencer avec Zelda. On va sortir le honnêtement, là, je pense que l'éléphant. C'est quoi? Y a-t-il une expression en français? Sortons l'éléphant. J'aime ça. En anglais, c'est l'éléphant du sac. The elephant in the room, là. Genre, Zelda. C'est l'éléphant de la chambre. Zelda, fresh of breath air, là. C'était facilement le jeu le plus hype au E3. Puis tout le monde voulait aller là. Le kiosque de Nintendo était magnifiquement beau. Ouais, tu nous as montré des belles photos justement. J'en cherchais pendant que tu continues à jaser. Mais... Non, pareil, parce que tu sais, Nintendo en fait, ils ont genre vraiment juste focalisé sur Zelda. Aucunement. Parce que totalement ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Puis. Tu sais, là, tu me disais en plus que c'était le jeu le plus hype, là, les gens où il y avait sûrement plus d'attente, tout le kit, là. Fait que c'est ah, excusez, j'ai Dropbox, ça n'a pas d'allure, comment que c'est slow, là. Holy shit. Ah, j'aurais dû le mettre sur Google Drive, mais pas grave. Ouais. Non, mais c'est okay. Ça. C'est qu'est-ce qui était le plus hype? Il y avait deux lignes d'attente qu'il fallait que tu arrives là le matin si tu voulais l'essayer. C'est ça, c'est fou. Il y avait Zelda. Et il y avait Bethesda avec les Bethesda VR, donc Fallout puis Doom. OK. Puis quand tu testes un jeu là-bas, genre, tu peux rester là comme combien de temps devant. Ça dépend des jeux, comme PlayStation avait des stands comme ouverts à tout le monde que tu faisais juste te pointer là. C'est sûr qu'il y a du monde qui attend, donc tu te sens mal de genre juste jouer pendant trois heures. Ouais, c'est ça. Je me dis que le monde le font juste pendant... À un moment donné, tu veux skipper, puis souvent, c'est des démos timées. Donc, ils vont te faire commencer au début, t'as 10-15 minutes de jeu, puis après, c'est fini. Ouais. Fait que le roulement, il se fait quand même... C'est ça. Mais ça dépend des compagnies. Comme Nintendo, c'était un 35 minutes de gameplay séparé en deux. Holy shit! Ouais, fait que... T'avais le choix du démo que tu voulais jouer? Non, tu faisais les deux. Ah, fait que t'as attendu une heure en ligne, mais t'as eu 35 minutes de gameplay? De gameplay, exact.
La première partie, c'est vraiment, ils te laissent dans l'environnement, t'as des épées, t'as des armes pour juste essayer les mouvements, les nouvelles mécaniques et tout. Mm-hmm. Attends, moi je voulais savoir quelque chose. Quand tu frappes de l'épée, c'est-tu les gâchettes ou c'est un bouton? Oh my god. je m'en rappelle. Pourquoi ça serait les gâchettes, Matt? Je sais pas, j'avais le feeling que ça serait que les gâchettes. Il me semble que c'était les gâchettes, si je me trompe pas. Ouais. C'est fois, pour hein. ça qu'il est right-handed. C'est pour ça qu'il est right-handed, Alex. J'étais sûr. Mais je suis plus sûr. C'est des détails que j'ai pas fait attention. Ça, c'est intéressant. Attends, qui est right-handed? Parce que Link, il est right-handed dans ce jeu-là versus tous les autres jeux, à part Skyward Sword, à cause du Motion Plus, là, puis Twilight Princess version Wii. T'es en train de dire qu'il tape avec sa sword là, du côté gauche? Attends, d'habitude, il est toujours... Dans toutes les Zelda, Link est gaucher, puis là, celui-ci est droitier. Oui. Ouais. Ah ouais? J'ai jamais remarqué. À part les exceptions que je viens de dire, là. Pour des raisons de Wii. C'est quoi, c'est quoi le lien, genre de... Ben d'habitude, quand Link est droitier, c'est parce qu'il y a un motion relié à ce jeu-là. Comme Twilight Princess, il y a un motion relié à ce jeu-là. Skyward Sword, il y a un motion relié à ce jeu-là. Fait qu'ils le mettent droitier parce que la majorité du monde sont droitiers, tu sais. Ah! Ouais. Mais là, dans celui-ci, Link est droitier, mais... Il est gaucher, tu veux dire. Non, il est droitier. Il est droitier? Dans celui-ci, Link est droitier. J'ai même pas fait attention, genre. T'as pas porté attention à ça, non? Non. J'ai plus, porté attention à l'environnement, au gameplay qui était, genre, incroyable. Ah non, c'était... Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, j'aurais tellement focalisé. Mais, justement, c'est quoi ton impression? On veut savoir. Le jeu, sincèrement, même s'il fait un effet cartoonish, il est vraiment beau. Ils ont quand même trouvé une bonne balance entre un jeu qui est pas trop genre réaliste, mais qui va pas trop dans le cartoonish non plus. C'est super agréable à voir, même si c'est vraiment des mécaniques assez différentes avec ce qu'il y a dans les autres Zelda. Mm-hmm. On ressent quand même l'environnement de Link et de Zelda dans ça. C'est sûr que c'est un pari risqué peut-être de Nintendo de changer beaucoup de trucs que le monde est habitué avec. Mm-hmm. Mais changer à team aussi. C'est, Mais je pense que c'est un bon risque qu'ils prennent. Ben, excuse-moi, t'as-tu vu quelqu'un chialer? Non. C'est ça. Tu sais, je pense que tout le monde voulait ce changement-là. Là. Il t'attend. Là. Ouais. Ça va faire du bien à la série, selon moi. Okay. Moi, j'ai vu beaucoup de gens en ligne, par exemple, qui chialaient disant que le monde était vide puis qu'il n'y avait rien dans le jeu. Mais c'est comme... tu jouais? Ben, c'est ça. Moi, de qu'est-ce que j'ai vu, il y avait de l'air à y avoir du stock pas mal partout, même si c'est un grand environnement. Puis, tu sais, il y a des rumeurs qui sont startées que je pense que j'étais dans le stream à Alex, puis ça disait il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Tu sais, on voit clairement à un moment donné, là, quand tu te promènes, genre, je sais pas si c'est là, mais on voit une ville à un moment donné qui est avec des lumières, puis tout. On voit Hyrule Castle qui est comme tout coincé, genre, comme s'il y avait quelque chose qui le retenait. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens, qu'il n'y aurait pas de ville, rien. Ça reste quand même un Zelda, j'imagine qu'ils vont pas. Là, c'est sûr que de qu'est-ce qu'ils ont montré puis de qu'est-ce que le monde pouvait jouer, selon ce que j'ai vu sur Internet, c'est juste 1% de la map complète qu'il va avoir dans Zelda-là. Ben, donc, 1%. 1%. Ouais, 1%. Tu me donnes mal à la tête. Puis c'était huge, juste cette section-là doit être gros, facilement. Il y a 5-6 fois la grosseur de Ocarina of Time au complet, là. C'est impressionnant. Ben, ça dépend. Ocarina of Time est petit. C'est là que le débat commence. Ça dépend à quel point que... T'sais, OK, fais ton jeu gros, fine, mais s'il est complètement vide, ça sert à rien de te vanter qu'il est fucking huge puis qu'il est massif, le monde. C'est ça qui, je pense, qui est important. C'est est-ce que chaque partie de ce gros monde-là vont être populées de trucs? Comme je vous donne un exemple. Moi, j'ai recommencé à jouer à Witcher. Je m'excuse, one up. Puis partout où je me promène, il y a soit des petits campements d'ennemis, il y a des gardes sur des chevaux, il y a des petits villages ici et là, il y a un forgeron ici, whatever. C'est ça que je pense que le monde se plaignait le plus dans cette démo-là, mais en même temps, peut-être qu'ils ont retiré beaucoup d'éléments pour la raison du démo. Pour pas en donner trop. Exactement. Mais en même temps, tu veux pas commencer à mettre des items au mètre carré. Là. Non, c'est ça. Tu veux que le monde puisse se promener puis explorer aussi. Tu sais, on prend un exemple, Metal Gear Solid 5, dont les développeurs se vantaient à quel point le jeu était huge. À start, tu avais une grosse map, c'était full immersif, tu peux bouger partout, tu peux faire ce que tu voulais. Mais
c'est tellement vide. Exact. Que en bout de ligne, tu disais, ben, je préférerais que ce soit plus petit puis plus ça. Condensé que genre juste du vide, puis il faut que je me promène pendant 10 minutes pour trouver un campement éventuellement, tu sais. Exactement, c'est ça qui peut faire peur aux gens, ouais, en fait. Exactement, hein? Exactement. C'est exactement la même option que j'ai moi aussi avec Metal Gear Solid de One Up, puis je pense que c'est ça qui m'a fait décrocher du jeu. Ça me tentait pas de faire de fucking 6 minutes de cheval pour me rendre ça. Proche d'une ville avant de me rendre à cette ville-là. C'était littéralement 6 minutes, là, tu sais. Il y a une autre chose que j'ai vu les gens chialer puis je comprenais pas, c'est que les gens disent « What the fuck, c'est quoi le drop rate de malade mental qu'il y a dans ce jeu-là? Mm-hmm. » Puis là, je suis comme « C'est qu'est-ce que vous parlez? » Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, le drop rate. OK, les items. Les items qui drop. Il y a beaucoup d'items qui drop, mais je pense pas que c'est une mauvaise chose. Tu sais, t'as besoin d'une épée, tu vois un monstre avec une épée, tu sautes dessus, il drop son épée. Tu fais pas comme... Ça, c'est pour aller contre l'argument des gens qui disent qu'il y a trop de drops. Là. Right. Mais tu vois un monstre qui a une épée, tu vas pas essayer de le tuer pour voir peut-être avoir une chance sur 10 qu'il tombe une épée. Tu sais qu'il y a une épée, il va dropper une épée. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment hot avec qu'est-ce qu'on a vu dans le démo. Ouais. Le gars, il a un fucking bâton, tu vas le frapper, tu pognes son bâton. Ouais. Puis tu peux finir, t'es pas obligé de le tuer pour avoir l'épée. Ah non? Tu peux comme le frapper assez fort puis le stunner, il va dropper son arme puis utiliser son arme pour le finir. Nice. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé que c'était super bien pensé. T'as pas besoin de te casser la tête à farmer pendant une demi-heure pour trouver quelque chose. Tu vois quelqu'un qui l'a dans les mains, mais tu y vas puis tu y vas y voler. Ah ouais, définitivement. Les armes, à ce que j'ai compris, vont aussi avoir une durabilité, donc ils vont éventuellement péter. Donc c'est sûr que pour contrer ça, il faut que tu augmentes le drop quelque part. Si tu as une épée qui drop aux 100 ennemis, mais que ça, après 10 ennemis, ton épée pète, t'as un problème, là. Puis j'ai une vibe de Dark Souls aussi que, mettons, t'as une arme que t'aimes beaucoup puis qui a des bonnes stats, ben apparemment que tu vas pouvoir aller la solidifier. Fait qu'il va sûrement avoir un village où ce que tu vas pouvoir augmenter la durabilité de cette épée. Pre-order! Non, mais c'est forgeron. Ça devient intéressant. Ouais, un forgeron qui va la peaufiner puis qui va la rendre plus résistante. Fucking nice, là. T'sais, moi, c'est exactement ça que je voulais dans Zelda, là. Ça a de l'air niaiseux, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues que j'ai pensé à Dark Souls quand j'ai vu le jeu. J'ai dit, il devrait faire ça de Dark Souls. Puis justement, les gâchettes, c'est quelque chose que j'ai pensé de Dark Souls, que j'ai pensé qui serait très bien implémenté dans Zelda. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que le jeu... mettons, Ocarina of Time ou... je prends un exemple, OK? Je peux pas jouer du footage de Zelda, hein, Matt? Comment? On va se faire copyright, excuse-moi là, je vais pas te couper là. Je peux pas montrer le footage. Le footage est correct, c'est faut pas montrer de film. Ok, c'est bon. Okay. Excuse-moi. Faut pas cinématique, c'est ça. C'est les cinématiques qui sont sur YouTube. Okay. Moi, ce que je veux dire, c'est que, mettons, on va prendre Ocarina of Time en exemple. Il y a une certaine ouverture dans le jeu, tu sais, c'est pas tant linéaire, mais au niveau de l'histoire, tu sais, t'as pas le choix, mettons, de passer par tel boss pour avancer toute la kit. Yep. Je sais pas si c'est assez joué pour voir ça, mais est-ce que c'est un peu la même façon avec cette Zelda-là? Est-ce que genre t'as pas le choix d'aller par cette zone-là pour après ça accéder à un autre? Est-ce que la suite est plutôt linéaire, contrairement peut-être à Dark Souls? Dans de la gauche plutôt qu'à droite. Là. Ouais. Dans le début de la deuxième partie qui me faisait essayer, c'était vraiment, il disait du début, peut-être qu'il va y avoir des peaufinements par la suite. Mm-hmm. Mais il y a juste comme au début que t'as peut-être quelques trucs que c'est vraiment linéaire, mais après, tu arrives dans le monde et tu as l'impression que tu pourrais aller où que tu veux. Puis il me semble même que les développeurs ont dit que si ça te tente, tu pourrais aller au boss final dès le début sans rien faire. Oui, ça, tu as raison. Ouais. Donc, OK, fait que c'est ça. J'espère qu'on peut faire ça plus que juste pour le boss final. Tu peux genre faire comme, OK, je pense que je me sens apte à faire. Tu sais, question de mettre peut-être plus à l'épreuve les skills de la personne, tu sais. Dans le sens où tu as un boss qui est vraiment plus fort, ben tu vas passer par lui, puis tu vas essayer de le battre, puis si t'es, mettons, assez doué, mais tu vas le tuer, puis tu vas passer par d'autres choses. Je comprends qu'il y a une histoire autour de Zelda, puis c'est faut que tu passes par rapport à une certaine séquence linéaire, là. C'est très normal, tous les jeux sont faits comme ça aussi. Mais j'ai bien hâte de voir comment que ça va être appliqué. C'est un petit peu pas tout à fait ce que ça dit, voilà, parce que Miyamoto a dit dans une interview justement au E3 qu'il voulait retourner en même temps aux origines de Zelda. Fait qu'est-ce qu'il aimait beaucoup justement, c'est dans le premier Zelda, c'est un jeu que c'est 100% exploration. Tu vas aller dans les donjons que tu voulais. C'est ça, t'avais accès au monde au complet, mais il fallait que tu fasses justement ton exploration pour comprendre dans quel ordre fallait que tu le fasses. Ouais, c'est ça. Exactement, mais tu sais, ça serait vraiment cool. Tu découvres que tu peux pas aller là parce que c'est trop tough. Fait que là, tu visites d'autres endroits, puis à un moment donné, tu finis par trouver, OK, c'est là qu'il faut jouer en premier, après ça, là. Mais tu sais, ça te fait visiter, puis ça te fait risquer, tu sais. Fait que ça serait...
C'est vraiment nice de pouvoir faire ça encore une fois. Legend of Zelda, on a toujours pas de release date par exemple, c'est ça qui est plate. Mais... toujours pas de release date. Si Nintendo sont bright, ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait avec Twilight Princess, c'est-à-dire le sortir le jour même de la nouvelle console, fait que la NX. Ça fait du sens. Un release game pour la NX, mais aussi un simultaneous release pour la Wii U. Ça serait juste. Ça serait plate qu'ils sortent, mettons, dans le temps de Noël pour la Wii U, puis qu'on doive attendre pour la NX. Parce que, je sais pas si t'en as remarqué, Comanticate, mais apparemment qu'il y a des problèmes de framerate. Et que ça a été confirmé que la version NX va être... va avoir des graphiques différents, mais je pense qu'il faut l'interpréter de manière genre que les graphiques vont juste être... probablement une résolution plus clean et plus peut-être un meilleur framerate. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu remarqué des problèmes? J'ai pas vraiment remarqué de drop de framerate au point que genre t'es... ça impactait le gameplay. Peut-être qu'il y a eu des mini drops de framerate, mais j'ai pas vraiment remarqué ça. Ok. Sinon, je veux dire, là on l'a vu vite vite là, mais moi j'ai vraiment trippé sur comme tout ce qui est côté inventaire là, du jeu. T'es, je sais pas, le jeu pour vrai, ça, c'est quoi, c'est Breath of the Wild? Breath of the Wild. Moi je l'ai juste renommé genre Breath of Fresh Air là. C'est ce que Zelda avait besoin. Comme une bouffée d'air frais. C'est sérieusement ce que le jeu avait besoin. Beaucoup de nouvelles mécaniques, mais qui donnent une nouvelle bouffée d'air à Zelda, mais dans un bon sens. Là, ça rafraîchit le jeu beaucoup. Il y a une chose qui me fait vraiment peur. Je sais pas si tu as eu la chance de demander, là, mais c'est les mini-temples qu'ils ont démontré dans la démo. Qui sont, comment tu appelles ça? Genre, pas des rituels, là, mais des... genre de challenge, là, des rooms de challenge. T'as-tu eu la chance d'en faire une? Non, j'ai pas eu la chance. Quand je suis arrivé pour arriver, la personne qui était en arrière de moi, parce que comment ça fonctionnait, t'étais comme jumelé avec une personne, mais sur deux, chacun faisait son jeu. Okay. Puis il y avait une personne de Nintendo qui expliquait, qui répondait à des questions. Okay. Ça, au moment que j'allais arriver, ce qu'ils ont appelé le premier temps, la démo a terminé. Donc, j'ai pas pu essayer les challenges. Temple et tout ça, mais j'ai pas plus d'informations. C'est la seule chose qui me fait peur. Est-ce que ça, c'est les nouveaux temples ou il va encore avoir des gros majeurs temples? J'espère. Ouais. Mais c'est fou, là. Je veux dire, sur Twitter, c'est le jeu qui a explosé le plus du E3. Quand on a su que Nintendo allait avoir aucune conférence au E3, on a fait un peu fait comme... On était déçus, puis on était comme, ah, whatever, l'année passée, c'était pas si bon que ça comme conférence. Nintendo, dans le fond, il se retire du E3 de cette année, mais non. Juste un fucking jeu de Nintendo a démoli Twitter versus les autres jeux, puis t'es juste comme... ça, ils ont mis le focus, ils ont mis genre 95% de leur effort là-dessus, puis ça se voit, puis ça sortit gagnant. Mais toi, est-ce que ça t'as-tu vendu pour le jeu? T'as-tu fait comme fuck I'm in? C'est sûr que je me le procure. Nice. J'ai vraiment hâte d'en voir plus, mais j'espère pas trop parce que, tu sais, quand ils nous en montrent trop, ça spoil trop le jeu puis t'as comme un peu moins le goût. J'espère qu'ils vont laisser un peu le suspense, peut-être juste peaufiner un peu plus des mécaniques, peut-être, mais. Mais c'est cool parce que moi, c'est ça que j'aime parce que présentement, si c'est vraiment qu'est-ce qu'ils nous disent, ils ont vraiment juste spoilé 1% du jeu. Fait que c'est. Ouais. En tout cas. C'est intéressant. Parce que 1% fit dans 35 minutes, c'est quand même. Ah, puis j'ai même pas fini. En 35 minutes, j'ai même pas eu le temps de faire toute la sonde. Là. Oh my god. Et en fait, c'est plus 20 minutes parce que le premier 15 minutes, c'était juste avoir du fun. C'est vraiment l'autre partie que t'es dans. La première zone, puis que tu es censé jouer au jeu. Ok. Cool. T'as-tu d'autres choses à dire sur Zelda, mon cher Comanticate? Non. Yep. Je veux jouer. Genre, sincèrement, là, si j'aurais eu du temps, j'aurais resté là tout le temps, j'aurais fait 15 fois la démo. Damn! Oh my god! Hey, c'est fou, là! Je veux dire, pis il faut se l'avouer. Moi, personnellement, là, j'en parlais avec mon ami, il disait qu'il y a rien qui l'intéressait de ce E3-là. Moi, je suis désolé, là, j'ai vraiment été surpris. Mes attentes étaient vraiment pas élevées pour ce E3 parce qu'on on est comme en plein milieu de genre la génération, là. Tu sais, les nouvelles consoles sont pas encore prêtes, mais tous les jeux, les big jeux ont été déjà soit annoncés ou sortis. Fait que je m'attendais pas à des grosses annonces. Les compagnies veulent toutes leaker à cette heure que genre Star et E3 ont tellement moins d'impact. Là. Ouais, il y avait tellement eu de leaks en plus, mais non, moi je pense qu'on a eu des belles surprises. Y a-tu quelque chose que tu voulais qu'on tackle tout de suite, Comanticate?
On peut y aller dans la liste pour pas trop se perdre. J'allais donner un exemple. Je sais pas ce qu'il y a dans la liste. J'ai pas checké, mais j'allais donner un exemple God of War que genre, je pense que personne ne savait où c'est que ça allait. Là. On savait même pas qu'il allait faire quelque chose avec God of War. Puis quand on a vu l'apparition de tout ça. Comme vu Firefox faire l'introduction de la musique. Tu sais, même là, tout le monde avait leurs doutes. On avait vu Kratos, on est comme. C'est lui, non, ça peut pas être lui, ça fait pas de sens qu'il soit dans ce monde-là, tu l'équipes, pis. T'étais-tu. Est-ce confirmé, c'est lui. Ouais. Oui, exact. Ouais. T'étais-tu dans le hall, comment tu dis, pour la conférence de Sony? Non, j'ai pas pu assister aux conférences par contre, mais j'ai pu les réécouter par la suite ou les premières conférences, j'ai pu les pogner en live. Ouais. Mais. God of War, j'y ai jamais vraiment joué, mais le jeu a l'air quand même très nice. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, genre, j'aime l'approche, je comprends que ça me donne le goût de jouer à God of War. Parce que j'ai jamais terminé aucun des jeux. J'y jouais une fois de temps en temps quand mes amis y jouaient, tu sais, je l'essayais aussi. Mais c'est pas une franchise qui m'avait intrigué au point de comme, ok, j'ai goût de jouer à ce jeu-là, tu sais, même si c'est en plus une exclusivité à PlayStation. Mais celle-là, je sais pas, mais l'approche qu'on prit, ça a l'air vraiment nice. Ça me fait penser à un mix de genre. Tu t'approches Last of Us avec un côté beaucoup beaucoup Bayonetta là, de ce qu'on connaît de goddamn God of War. En tout cas, j'ai hâte de voir. Hack and Slash, là? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Mais c'est pas un beat démon. Non, c'est drôle parce que si tu essaies les jeux, tu vas trouver que c'est extrêmement différent à ça. Par exemple, si tu regardes au God of War 1 puis 2, là, c'est plus un Zelda à Hack and Slash, là. Il y a des puzzles du même style que Zelda. Faut que tu pousses des cubes pour faire des affaires. Faut que tu ailles débarrer des portes en faisant des stratégies. Ça ressemble plus à Darksiders, dans le fond. Darksiders a un peu côté aussi très puzzle. Là. Ouais. Fait que je me suis dit plus ça. Parce que moi, je le comparais beaucoup à Devil May Cry quand je jouais à ce jeu. Puis j'ai jamais été un comme, grand fan de ce genre-là. Ouais. Comme tu dis, l'aspect puzzle a sûrement un impact important dans God of War. Là. Ben c'est ça que je me demande, parce que qu'est-ce qu'on a montré du trailer, ça a vraiment l'air d'un jeu d'action style justement Last of Us, Uncharted. Aventure, je pense pas story, qu'ils vont vraiment aller dans la série puis pousser vers justement les puzzles dans celle-là. En tout cas, ça a pas l'air de ça pour moi. Mais. C'est sûr qu'on a pas vu énormément du jeu, mais j'ai définitivement ressenti une vibe de Naughty Dog. On dirait que Naughty Dog ont participé au jeu. Là. C'est ça. Moi aussi, je pensais que c'était ça au début, une collab ou quelque chose du genre. Justement, quand on a regardé la conférence, on s'attendait quasiment à voir le logo de Naughty Dog à la fin. c'est vrai. J'ai pu aller. PlayStation n'avait pas de version pour essayer le jeu, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des salles privées, privées, où ils faisaient rentrer du monde, puis qu'ils jouaient pas mal essentiellement ce que vous avez vu. OK. Mais ils expliquaient un peu plus, puis ça, ils disaient que le gros focus, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose de. Qu'il n'y a pas trop d'interruptions. Quand tu regardes le trailer, il n'y a pas vraiment de cutscene, puis là, ça s'en va en cinématique. Right. C'est vraiment intégré au gameplay, plus où, quand il y en a, c'est vraiment une transition de ton gameplay. Là. Ouais. Comme Uncharted. OK. Mais as-tu eu la chance d'assister à ça? Est-ce que ça a confirmé, dans le fond, cette présentation-là, que tout ce qu'on a vu, c'était pas du généré à l'extérieur du jeu, que c'était vraiment du gameplay, ce qu'on a vu? Ben, il y avait quelqu'un qui jouait, là, s'il fakait de jouer son... C'est difficile à dire, mais il semblait vraiment jouer au jeu pendant que la personne expliquait l'environnement et tout ça, puis c'était quoi l'histoire. Parce que l'intégration cutscene et gameplay, à certains moments, j'étais comme, ils sont en train de jouer un vidéo au complet, là. Comme, tu sais, ils ont triché certains bouts, là. C'était fou, c'était seamless, là. Ce que j'ai vu, comparé, tu sais, ça ressemble beaucoup parce que c'est le même bout qu'ils refont, mais moi, quand il l'a fait, à un moment donné, il a pas fait à la même place pour les combats. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'ils ont montré. Parce que... Cool. En tout cas, moi, ça m'a tellement motivé pour God of War que je veux streamer le troisième cet été, là, le remastered. Je l'ai acheté, puis je sais que c'est vraiment plus le même genre de jeu. Là. On pourrait carrément appeler ça un reboot, hein, CMS? C'est même pas le 4, c'est genre God of War. Ça semble être un reboot. Comme j'ai dit, je l'avais vraiment joué aux autres avant, mais ça semble assez différent à ce que j'avais pu voir du 1, 2, 3. Ouais. Je pense que c'est un 2, puis Ascension, quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'était sur la Vita, si je me trompe pas. Puis après, ils l'ont sorti. Je pense que c'est sur la PS3. Ah, ok. Ouais, j'ai
j'ai le remaster là, avec les 5 jeux dedans. Oh. Puis je pense qu'il a été remasterisé justement pour la PS3, mais okay. C'est tout. Cool. Sinon, CMS, ben, on va rester dans le Sony. Qu'est-ce que tu as eu la chance d'essayer de côté Sony? J'ai eu la chance d'essayer le PlayStation VR. Ouais. Ah ouais? Ouais. désolé. J'ai goût de vomi. Bonne gorgée. Il y a comme juste un petit coulis de vomi. J'ai acheté le VR. Mais. HTC better? Le PlayStation VR est quand même très intéressant. C'est sûr que si tu compares, mettons, Oculus ou HTC Vive, ça n'a pas la même performance. Ça se voit. Ouais. Mais en même temps, il y a une résolution quand même assez bonne pour que ça soit assez immersif. Okay. Puis ça répond bien. Ça, avec la PlayStation caméra, ça track assez bien quand tu bouges la tête et tout. Okay. Donc, tu peux quand même avoir des bonnes expériences, mais... Ouais, c'est quoi le mais? Je vais-tu vomir partout? Ça va dépendre de ta personne, je pense. Mais... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints... Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints justement de la mauvaise... résolution? Ouais, ben, c'est peut-être la résolution, en fait, justement, au niveau de Resident Evil 7, là, avec le VR. Il y a bien du monde qui ont eu beaucoup de nausées par rapport à ça. Apparemment, qui était pas assez bien optimisé, je sais pas trop quoi. Là. Capcom ont répondu à ça aussi, disant comme quoi que, bon, c'est un peu... il y a encore beaucoup de temps pour travailler là-dessus, puis ils voulaient travailler encore beaucoup là-dessus, mais c'est ça. Est-ce que c'est le jeu ou le VR en tant que tel, là, le casque humain, je sais pas. Mais c'est quoi le jeu que t'as essayé, CMS, avec VR? J'en ai essayé deux. J'ai essayé Farpoint, que vous avez peut-être vu. C'est le jeu avec le fusil. Donc, actuellement, ils ont Farpoint. OK, ouais, je l'ai. Puis c'est ça, actuellement, t'as un faux fusil avec la boule du PlayStation Move, là. Ouais. Pour tracker, puis... Le tracking est parfait, c'est juste que c'est... Ouais, exactement ça. C'est juste que c'est bizarre, parce que de la main gauche, là, de la personne qui est en train de jouer, t'as comme les boutons pour te déplacer. Donc, ça fait vraiment bizarre de vouloir te déplacer. T'as ça sur le gun? Ouais, t'as ça sur le gun. Ah, OK, ouais. Ça, c'est, en même temps. Ça reste vraiment manette, puis ça fait bizarre à certains moments. Tu commences à comme t'immerger dedans. Là, ça brise le moment. Là, ton corps est comme genre, wow, attends, j'utilise mes mains pour marcher. Ça marche pas. Ah, ok, ouais. Weird. Ça, il y a deux, trois fois que j'ai eu solidement comme un bris. Tu sais, mon corps. Ça te ramène dans genre, ok, j'ai un casque sur la tête. J'ai un casque sur la tête. À un moment donné, j'ai comme perdu ma stabilité parce que justement, genre, mon corps, il a comme. Il comprenait plus, là. Ok. Ouais. C'est ça que je me demande pour l'immersion avec justement les shooters, là, les first person shooters, comment ils vont faire pour que ça puisse bien fonctionner. Parce que d'un côté, si on te fait tenir une arme qui est supposée simuler justement l'immersion du shooter, t'as pas le choix d'avoir les contrôles quelque part, genre soit sur le manche ou quelque chose. Fait que c'est genre de voir à quel point. Ça fonctionne. Ouais. Avec le gun, c'est vraiment le fun. Quand t'es stationnaire et que tu shootes les trucs, c'est vraiment réaliste. Tu te crois en train de tirer, mais c'est dès que tu commences à te déplacer, ça file pas naturel. Ça parlait des gens de House of the Dead, là, des vieux jeux ou les Time Crisis, que t'avais un arme, mais ça bouge tout seul. Exactement. Ton personnage bouge tout seul. Quand j'ai regardé du gameplay de ce jeu-là, je pensais que justement le personnage bougeait tout seul. Genre c'était comme un. Tu sais, tu contrôlais pas aussi, le mouvement. Je pensais que c'est pas ça, c'est vraiment, tu contrôles le personnage. C'est ça, tu contrôles le personnage avec des boutons pour le déplacer. Ok. Mais il y a aussi, je l'ai essayé debout, puis ça fait vraiment bizarre, justement, que tu files pas te déplacer. Mais j'ai essayé un autre jeu que je me rappelle plus le nom, puis c'est une espèce de jeu d'aréna que tu es dans des véhicules mécaniques, puis il faut que tu fasses des points avec ton corps. Mais cette fois-ci, on était assis, puis ça filait mieux. On appelle ça un vendredi soir. C'est un Japanese game? non, Japanese game? Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus du nom du jeu, mais le concept est intéressant. Mais quand tu es assis, ça file beaucoup mieux le fait de déplacer. Donc, peut-être que réussir Farpoint, mais assis, ça va aider un peu plus. OK. J'ai une question, moi. Est-ce que le Omni est disparu de tout projet VR? Il me semble que c'est une affaire qui m'intéressait le plus, moi. Omni? Le Omni. C'est quoi ça? Je pense que je l'ai là, ici. Là. C'est... Tiens, Alex, je vais le mettre en bas complètement dans le document. Yep. Ah oui!
J'avais vu cette affaire-là, Matt. Ça serait vraiment nice s'ils pouvaient intégrer ça avec un casque. Ça serait fucked up. Mais c'est intégré avec Oculus, mais ils n'en parlent plus de ça. Moi, ça m'étonne parce que j'adorais le concept. Ouais. Justement, Kormansky qui parle que tu jouais avec et tu contrôlais avec tes mains. Mais ça, là, tu as des souliers dans les pieds, tu cours sur place, littéralement. Yep. Puis ça te fait avancer là, dans le jeu. Fait que je comprends pas pourquoi. Le concept était, ça avait l'air de tellement bien fonctionner en plus ce qu'il avait décidé de faire là, quand tu t'as regardé ça sur YouTube. Mm-hmm. En même temps, cette plateforme-là, man, ça va te coûter fucking 3 000 $. Non, elle est 700 $. Elle est 700 $. Ouais, tu sérieux? C'est pas si pire. Ouais. Puis, c'est pas stylé, mais c'est quand même cher. Ben, c'est 700 $ plus 60 $ pour les souliers, plus un tracking pod à 79 $, plus... le harnais à 79 $, plus le VR rack à 79 $, plus le broom pour mettre pour que ton fils sorte du haut à 79 $. Okay. Fait que dans la propre pour me. Je pense un donation bill. Non. 700 plus 60 plus 79 plus 79 plus 79 plus 79. Mais t'as déjà acheté le VR, fait que tu sais, comme le dude qui veut mettre l'extra. 1200 mais 300. Ouais. Mais, ok, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant comme produit parce que. Évidemment, on n'a pas l'équivalent d'un terrain de foot dans notre sol. Fait qu'on peut pas courir pendant des longues distances. Fait que ça, c'était vraiment nice pour l'aspect marcher dans ton environnement. Mais apparemment que c'est encore on. Là. Ça fonctionne avec le Vive, si tu veux. Là. C'est juste que les compagnies qui créent les jeux de Vive, là. Ils savent que c'est pas tout le monde qui va en avoir, right? Fait qu'ils peuvent pas faire que leur jeu... Sûr que le VR, ce que ça va devenir aussi... C'est ceux qui veulent une expérience ultime vont acheter des trucs comme ça, puis des trucs vraiment spécialisés. Mm-hmm. Mais monsieur, madame, tout le monde qui veut avoir du VR, ils vont pas commencer à acheter ça. Donc, c'est sûr que les concepteurs vont pas faire un jeu exclusivement pour ça. Ça va se vendre en coût de centaines, puis ça va finir là. Right. Ouais, exact. Mais là, c'est un peu dommage parce que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, goddamn, c'est Valve qui font le HTC? Non, c'est HTC. HTC. Ouais? C'est le nom. Je pensais que c'était Valve qui avait financé... HTC, le Valve, c'est HTC. Quoi qu'ils ont déjà? Ah, Valve finance le Steam VR. Ah, c'est Steam VR. Okay. Steam VR, VR en plus. Le Steam VR que HTC Valve supporte. C'est ça, dans le fond, c'est qu'il faudrait qu'une de ces compagnies-là, dans le fond, décide de comme, se relier avec ceux qui ont fait justement la plateforme, puis finalement, qui développent des jeux ensemble, parce qu'il faut que les développeurs développent en tenant compte justement cette plateforme-là pour que ça puisse l'intégrer. Fait comme tu dis, si c'est juste acheté comme un item par les puristes, ben, il y a bien des jeux qui ne prendront pas en compte, cette bidule-là, puis on va être limité à certains jeux là, seulement. Ouais. Fait qu'au bout du compte, tu payes cette affaire-là 1 200 $, mais si c'est pas. Si c'est pas jumelé à une compagnie déjà populaire ou déjà grosse, je sais pas, comme Microsoft ou whatever, ben c'est un peu 1 200 $ dans les poubelles, malheureusement. Ben, en parlant de VR, je peux-tu ajouter une petite affaire? Vas-y. Avant qu'on s'en aille trop loin. Ben, Nintendo, on dit qu'il n'y aurait pas de VR sur la NX officiellement. Ouais, je m'y attendais. Ben, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas encore c'était quoi la NX, fait qu'il y a des gens qui pitchaient là-dedans que ça pouvait être du VR. Nintendo a dit non, la NX, oubliez ça, VR, tant que ce ne soit pas mainstream, on ne rentre pas là-dedans. Je pense qu'ils font bien dans un certain sens. C'est correct. Ouais. C'est encore en développement pas mal. Je pense qu'ils ont le temps de revenir sur le marché avant que ce soit bien. C'est un safe move d'attendre que ça soit vraiment plus perfectionné que de faire. Ouais. On sort un accessoire ou une console le VR, puis ça va être une bonne expérience. OK, first... Nintendo mise beaucoup là-dessus, là, que ça soit une bonne expérience de jeu. Ils veulent pas quelque chose que, tu sais, ça va être so-so. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut juste que je dise first... Les gens veulent voir... C'est genre l'épisode la moins structurée ever, mais c'est pas grave. On fait juste... C'est pas grave, c'est cool. Moi, j'aime ça. Ça flow. C'est ça qui est nice. Au moins, tout le monde veut dire de quoi. Genre, même si on scoop à chaque 2 secondes. Bon, on est comme trois petits neveux excités qui posent plein de questions à mon oncle CML, genre. Noël, quoi d'autre t'as vu, là? Ouais, quoi d'autre t'as vu, là? Est-ce que le Père Noël peut me l'apporter un? Mais là, j'ai une question CMS. Vas-y. PlayStation VR, c'est moins cher. Ça demande pas un gros fucking ordi puissant. En effet. Il est où le mais? What's the fucking catch? Le mais, c'est que c'est de moins grosse qualité, c'est de moins bonne qualité que le HTC Vive et l'Oculus. Ça, c'est sûr. Mais it sucks! Mais ça avait pas l'air à te déranger, t'as dit que. Ça suck pas trop, mais c'est sûr que
quelqu'un qui veut avoir une meilleure expérience va aller avec un PC puis un Vive ou un Oculus. OK. Ouais. Bocus, reprends ça tout de suite. Moi, je voudrais jouer à Pokémon Snap en VR. Ça serait malade. Oh my god. Ça pourrait être vraiment cool pour Pac-Man, kill! Ça sonne en face à Julie. Oh, excuse! Il va tuer tout le monde avec son VR. Ça. Le mais, ça va être, d'après moi, la qualité qu'ils vont en sortir de ça. Okay. Mais le gros plus, pour le PlayStation VR, t'as une plateforme. Mm-hmm. Les développeurs savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire comparé à un ordi. Mm-hmm. Donc, tu vas avoir des jeux, d'après moi, qui vont être plus raffinés puis optimisés pour la PlayStation VR que des jeux PC ou qui font juste comme « Ah, de toute façon, il faut qu'il y ait un gros ordi de malade avec des performances de malade pour faire du VR. Ouais. Donc, on n'optimise pas le jeu, on va le sortir comme il est. » Ouais, c'est pas juste le VR en général. Je pense que ça va être, la grosse affaire avec le PC, c'est que ça va faire n'importe quel jeu va avoir des spécifications différentes. Tandis que sur justement la PS4, ben ils savent à quoi s'attendre avec la PS4. Yeah. Fait que. Ouais. True. C'est ça. T'sais, ils ont déjà une limite qui est settée par le casque, puis ça va vers où aller. Fait qu'on. Ok, let's go. Ouais, mais c'est ça. Ben je pense que justement le VR va avoir l'avantage sur les consoles parce que tu vas être capable de. Si t'as la console, tu sais que ça va marcher. Tandis que si t'as un PC, il va peut-être falloir que tu fasses encore un upgrade quand dans deux ans, qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va sortir. C'est sûr que dans The Road, ça va être la même chose pour un PS4 ou le Xbox One, mais ils font le jeu en fonction de la console. Ouais. Mais c'est ça. Mais t'as une expérience VR pour le prix d'un Oculus que t'as besoin d'un PC en plus. À côté, on s'entend que sur PC, non seulement peut-être que l'immersion va être plus poussée parce que tu vas avoir du hardware qui est plus puissant, qui va être plus fonctionnel par rapport à ce qu'on peut te faire vivre comme expérience, mais ça va être aussi sur PC qu'il va avoir de l'avant pour le VR justement parce que là ils peuvent toujours pousser en conséquence des nouveaux hardware qui sortent là. C'est comme là on a comme la 1080 qui va devenir de plus en plus accessible puis que les développeurs vont pouvoir se permettre davantage aussi là, pour 1080 ça va être le low res bientôt là. Ouais c'est ça, ouais, dans genre deux semaines. Enfin quand c'est sur pre-order du disque des fois. Quand je fais des layouts sur XSplit à cette heure-là, je cherche des fucking layouts, des wallpapers. Je suis pas capable d'en trouver un 1080, c'est tout le temps des 6700 par 4302. C'est ridicule. Well, we're already done. Ça, Misio apporte un beau point, mais c'est sûr que ça va venir, d'après moi, dans la version d'après. Là. Les fil. Foutus fils. Ouais. Ça c'était sans fil, moi. Encore, ils sont tous avec fil. Même la PlayStation VR, t'as un boîtier avec un fil. Ouais, je regardais Video Games Awesome, ils jouaient, puis ils se mêlaient tout le temps dans le fil. Puis c'est tout le temps comme. Ça prenait une autre personne à côté pour dire, comme, attention, le fil s'en vient. Attends, c'est quoi la raison derrière ça? C'est-tu genre à cause d'un délai? C'est qu'ils ont tellement d'informations qu'ils pensent à transmettre. Ben, je sais pas si t'as vu, Alex, sur le site, dans le fond, pour le Omni, ils vendent un Virtux VR Broom, un Boom, là. Et dans le fond, c'est quelque chose qui se met en haut de ta tête puis ça tient le fil en place. C'est ça que tu disais. Ça peut être pas trop pire, sincèrement. Mais c'est ça. Tu sais, c'est l'énergie que ça prend et tout ça aussi. Il faudrait que tu aies une batterie et tout là-dedans. T'aurais un power supply gold mine. T'aurais peut-être comme une, deux heures d'autonomie sur ton VR. Ouais. Ah, ben oui, ok, ouais, j'avoue. Fait que. Deux écrans de haute résolution là, qui fonctionnent là-dessus. Là. Ouais, ouais. Non, le tracking se fait actualiser avec ton casque. Puis c'est t'as juste deux modules que eux sont juste alimentés. Puis ils envoient où que. Tu sais, c'est eux, ils disent je suis là à ton casque. Puis ton casque vient leur dire ah, ben eux sont là, donc moi je suis là. Moi, je t'imagine comment est-ce avec un gros backsack. C'est une si grosse batterie pour dans le dos. Pour jouer avec ton VR, c'est vraiment malade. Mais ils ont pas montré ça. Ils ont pas montré ça, genre un backpack dans le PC Gaming Show, que c'est un ordi. Ouais. Avec un VR. Oui! Oui! OK! Ouais. Oui! T'as raison. C'est vrai que ça se pourrait, là. C'est ça. Ils l'ont fait. Oui, c'est confirmé. J'ai vu ça quelque part. Ouais. Moi, j'imaginais avec un backpack. Parce que quand j'étais jeune, il y avait genre... Je sais pas si vous avez vu ce mode-là, les Super Sucker, là. Non, les Super Sucker, les genres de guns d'eau que tu vas acheter, puis il y en avait un qui était genre le plus cher de la game, puis genre, c'est un sac super que tu mets en. Soccer, ouais, excuse. Super Sucker. Ça, c'est un film porno. Oui, c'est ça.
Puis tu me le remplis d'eau, genre, pis t'avais tes amis qui arrivaient avec leur petit ballon d'eau, tout était avec ça, genre, t'avais un sac à l'infini. Ouais, c'est ça. Fuck you. J'imagine ça que t'as HTC. Ouais. T'as la HTC, t'as nous avec ça qui arrive, pis nous autres, on est là avec notre petite VR de PlayStation. C'est, mais c'est comme, fuck up, guys. Ouais, ouais, c'est Lisa Sue. C'est Lisa Sue qui a présenté ce backpack-là. En Lisa Sue, ouais. Oui, la fille était plus sous stage, c'est vrai. Mais, ouais. CMS, t'as déjà un Vive. Tu vois-tu ouais. l'utilité d'acheter un PSVR? PlayStation VR. Ça va être les exclusivités PlayStation qui vont sûrement me faire acheter un. Ils en ont pas sorti. VR. À part Resident Evil, qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour le VR qui était comme holy shit, ça remet tout en question. Final Fantasy XV, tu vas pouvoir prendre ton bonhomme dans le background et tirer dans la place de. Il y a du monde qui l'ont testé, ils ont dit que c'était à chier. C'est sûr que c'était à chier. Oh my god. Mais j'avoue que avec le Vive, j'hésite à m'acheter le PlayStation VR parce que je vois pas l'intérêt. Je pense qu'un casque au début, ça va être assez. Mm-hmm. Mais c'est ouais. sûr qu'il va y avoir des exclusivités PlayStation qui vont sûrement être annoncées ouais. l'année prochaine. Puis c'est ça qui a toujours été chiant, c'est que les foutues exclusivités, ben ça ouais. te fait en sorte que tu es obligé d'avoir tout. Ouais. Ouais. Yep. C'est ce qui t'influence à acheter une console, c'est ce qui t'influence à dépenser. C'est sûr, c'est sûr. Toujours en, ça aide l'économie. Toujours en restant dans le côté Sony, as-tu eu la chance d'essayer d'autres jeux côté Sony? Il a annoncé Crash Bandicoot Remastered. Je sais que t'es un grand fan de Crash Bandicoot. Oui, mais il n'y avait pas de station pour l'essayer. Non, je sais. T'étais sûrement fucking content d'apprendre ça. Ouais, moi, ça, non, même si c'est juste un remaster, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis... ils ont montré un scoop avec le Skylanders. I guess à quoi tu vas ressembler. C'est plus qu'un remaster, c'est un redo par exemple. Ils ouais. ont dit qu'ils faisaient du ground up. Built from ouais, the ground ça, up. C'est un remake. Là. Ça va être des nouvelles textures, des nouveaux. Exact. Mais tu sais, ça c'est nice. Parce que d'un côté, t'as pas un nouveau titre en tant que tel, mais le fait qu'ils la refont, c'est forcément, cool. tu vas quand même quelque chose de nouveau, un feeling de nouveau, du moins. Ça va sûrement contrôler mieux, ça va sûrement, tu sais, comme les ouais. physiques vont être sûrement mieux, mais ça va être les mêmes tableaux, tu sais, ça va être la même histoire, ça va être les mêmes tableaux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Certainement. Ben, il aime pas ça, les remastered, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est comme Princess HD. Mais j'étais déçu de voir qu'il n'y avait pas un Crash Bandicoot 4 qui s'en venait. Ça aurait été nice. Ouais. Ouais. Mais d'après moi, ça va être le remaster, puis après, ils vont peut-être. Voir comment ça embarque. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce parce que je pense, si je ne me trompe pas, puis ils l'ont dit dans le show, ils ont dit grâce à Activision, ils peuvent lancer le remaster. Donc, je pense que c'est peut-être qu'ils sont en discussion avec Activision pour permettre un nouveau jeu de la franchise. Crash appartient ouais. maintenant à Activision, right? À ce que j'ai compris. Ouais. Dites-vous que c'est Call of Duty qui a financé le remake de Crash. Toutes les Doritos Call of Duty Extra 5 yeah. XP que t'as toutes acheté. C'est ça qui a financé Crash Bandicoot. Oh yeah! Ça n'a aucun rapport. Je sais. Sinon, t'as-tu la chance? C'est un jeu qui nous a vraiment attiré, Matt, OneUp et moi, c'était Horizon Zero Dawn. Ah oui. T'as eu la chance de l'essayer? J'ai eu la chance de l'essayer. Oh! Ouais, donc ça, c'est t'avais une séance où ils te montraient ce qu'ils ont montré encore une fois à la conférence. Ouais. Mais après, t'allais dans une salle pour l'essayer. Puis, c'était pas une grosse superficie que tu pouvais essayer. Okay. Mais ça se contrôle très bien. Au début, j'étais pas sûr en les voyant jouer. Ils semblaient avoir plein de trucs à faire. Right. Mais je me suis adapté quand même assez vite. Tu comprends assez vite comment ça fonctionne. Puis, le jeu est beau. Il est le fun, les dynamiques de comme capturer ton le robot animal pour pouvoir monter dessus, pour pouvoir te déplacer plus vite. Ouais, ça, c'était marrant quand j'ai vu ça. C'est vraiment nice. Puis, tu sais, dans le démo, il y avait des robots partout. Donc, même quand tu essayais de capturer, tu avais des robots qui venaient t'attaquer. Donc, qui viennent il y avait de l'action tout le temps, mais c'était pas trop d'action. Ok. Que tu pouvais plus rien faire d'autre que combattre. Ouais, c'était bien cadencé. Non? C'était bien cadencé, puis ça, le jeu est beau, l'environnement est beau. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, puis d'en essayer plus, puisque là, il n'y avait pas vraiment d'histoire là, dans la démo. C'était vraiment genre, vous êtes dans le monde, il y avait deux objectifs, c'est comme capturer un des robots pour pouvoir le monter, puis aller te promener. C'était plus un proof of concept que comme genre, la mécanique puis le jeu vont être beaux, mais il n'y a rien sur l'histoire.
Puis c'est ça qui va faire en sorte que le jeu va fonctionner. I guess ça va être l'histoire. Pourquoi le monde a été envahi par des robots. Que... Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Genre, ouais. C'est la curiosité de ça. C'est, au moins, ils ont gardé ça caché là, un peu. Là. Fait que, tu sais, parce que... Moi, ce jeu-là, c'est sûrement un de mes coups de cœur, dans le fond, du E3. Tu sais, l'année passée, on avait vu une cinématique, tout le kit. On avait une cinématique qui était gameplay, mais là, on a vu vraiment c'était quoi le gameplay dans le jeu. Ça a juste l'air complètement malade. Ce qui me faisait peur, c'était un peu les contrôles, vu que c'est... ceux qui font Killzone, qui sont derrière, je pense que c'est Guerrilla, quelque chose. Guerrilla qui Games, quelque chose. Ouais, je me souviens plus c'est quoi le nom exact. Mais ce qui faisait peur, c'est que justement, dans mettons Killzone, tu sentais vraiment que les contrôles étaient lourds. C'était peut-être voulu parce que ton personnage porte une armure, toute l'équipe. Tu sais, quand tu te déplaces, tu sens que ton personnage est lourd. C'est la même chose au niveau des contrôles. Quand tu tournes, tu sais, ton personnage il prend un peu de temps. On dirait qu'il y a comme un petit délai, puis c'est voulu comme ça. C'est ce qui me faisait peur un peu, peut-être, avec ce jeu-là. Mais vu qu'on parle pas de la même apparence physique de personnage, je me dis qu'ils se sont peut-être bien adaptés. Là. Mais t'avais-tu ce feeling-là, en fait, comment dire? Moi, nécessairement, j'ai pas eu de problème avec les contrôles. Okay. Je trouve que ça s'enchaînait bien. Oui, il y a beaucoup de contrôles, mais ils ont. Tu sais, c'est pas genre, il faut que tu fasses ça pour faire un truc. Là. Ça, t'as une place centrale quand tu veux changer tes trucs, puis sinon. Le reste, c'est des actions qui sont pas vraiment changeables. Donc, ça répond bien, ça répond vite, genre. Mettons, je sais pas, t'as un réflexe, ton personnage va genre vraiment se déplacer au moment où tu pèses comme sur toi. Ouais, ça répondait très bien. Il y avait pas vraiment de délai dans tes. Toi, tu l'attends, genre. Ok, nice. Parce que, sincèrement, là, je reviens à The Witcher parce que j'ai recommencé à jouer hier. C'est son fucking problème à ce jeu-là. La latence dans le mouvement du personnage, c'est tough à contrôler. Genre, tu fais le tour d'une table, puis tu fonces dans la table genre 5 fois parce qu'il y a comme cette espèce de latence-là. Puis ils ont sorti une patch avec un mode alternatif pour les contrôles, puis c'est un peu mieux, mais c'est comme... C'est tu t'accroches au point encore. Ouais, mais comme toi, Horizon, tu le compares... Si t'avais à le comparer à, mettons, faire un combo de deux jeux ensemble... Là, j'haïs ça faire ça, là, mais ça serait quoi? Ça serait un mix de quoi et de quoi? Hey, j'y ai pas pensé à ça. Moi, je suis Legend of Zelda plus, parce que j'ai Legend of Zelda pour tout. Ouais. Plus Far Cry, je sais pas. Uncharted? Pas. Non. C'est cool, peut-être un peu de Uncharted pour comment ils ont l'air de vouloir explorer le monde puis l'exploration, mais les côtés des dynamiques dynamiques de jeu, je sais pas trop comparer ça à quoi. C'est pas mal un peu unique. J'ai jamais vraiment joué à un jeu qui ressemblait à ça. C'est bon signe. C'est un jeu, c'est sûr que tu pourrais comparer ça. Ah, c'est un jeu d'épée, il faut que tu t'approches tout ça. Mais qu'à la place, il faut que tu contrôles ton ennemi puis que tu le convertis pour qu'il devienne gentil avec toi. Là. Ouais. Tu dirais que c'est vraiment quelque chose d'original? Je trouve ça que c'est quand même assez original. J'aime ça. Peut-être que quelqu'un qui va me sortir un jeu que je connais pas, ben ça ressemble à ça, mais j'ai aucun jeu qui me vient en tête que ce jeu-là, c'est une copie de ce jeu-là. Ok, cool. Je peux-tu parler de mon coup de cœur, moi, du E3? Non. C'est-tu dans Sony? C'est-tu dans Sony? Ouais. Entre autres. Okay. C'est pas dans Sony. C'est pas juste sur Sony. Hein. C'est Shantae. Okay. C'est Shantae, fuck! À part Zelda, là, fuck Shantae, ça m'a excité puis ça m'a tanné qu'ils ont pas montré rien dans les conférences. Puis je sais que c'est pas un jeu qui serait sûrement dans les conférences parce que c'est comme un pas un third party, mais un... my god, ça va être malade! Ok, what's the fucking deal avec Shantae? Dis-nous le Matt, là. C'est quoi ce jeu-là? Pourquoi faut que le monde devrait porter attention à ça, là? Je sais pas, ce platformer, il est fucking cute comme jeu, puis il est vraiment le fun à jouer, puis je l'ai streamé, puis j'ai eu fucking plein de fun avec. Full de références sexuelles, fait que c'est encore plus drôle. je sais pas, les mécaniques sont fucking le fun dans le jeu, puis qu'est-ce que je vois dans le nouveau, c'est que ça va être encore plus le fun. Ouais, je check le trailer, puis ça a l'air vraiment
tight. Ça a l'air d'être un bon platformer. Ouais. Ça a l'air de... Puis j'adore les platformers. Honnêtement, le dernier Shantae, j'ai vraiment trippé dessus, mais c'est fucking pixelisé comparé à ça, parce que c'est des personnages pixelisés. Puis le nouveau, ils ont fait des fucking... comment que t'appelles ça? Du shell shading parfait, là. Puis c'est fucking cute. C'est beau, puis ça a l'air vraiment le fun à jouer. Fait que moi, j'ai... C'est beau aussi. Ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Moi, c'est un jeu qui m'a... J'étais allé au EB Games, là, puis j'étais comme fâché qu'il était pas en précommande. C'est pas des jokes. Et la musique, Matt, la musique de jeu. La musique est fucking hot en plus. Attends, le mec qui fait Shovel Knight, la musique. C'est le gars qui a fait Shovel Knight, qui fait Shantae. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment hâte que Shantae F-Genie Hero sorte. Parce que moi, c'est je trip. C'est le jeu que j'ai le plus... J'ai beaucoup de hype dessus, non. Je m'excuse, c'est pas un gros fucking Call of Duty, un Gears of War, un fucking God of War. Mais c'est mon coup de cœur, puis j'ai vraiment hâte que ça sorte, parce que j'avais des... L'autre jour, j'étais avec Julie, puis je suis comme, hey, c'est quand est-ce qu'ils vont faire un nouveau Shantae? Puis lui, ça faisait un petit bout qu'il avait été annoncé. Okay. Puis quand ils ont montré ça, là, le nouveau trailer, j'ai comme fait, oh! j'étais vraiment content. Ça va solide. J'ai hâte. Puis c'est ça. Savez-vous que Shantae, c'est un jeu qui date de la Game Boy Color? Ah ouais. Really? Ouais. C'est un cartoon au Japon, quelque chose? School. Non, c'est comme un jeu indépendant depuis la Game Boy Color. Ah, c'est américain, en plus. Ouais. Ah, c'est américain, en plus? Yep. Non, oui. Ouais. Ah ben. Fait que, cool. C'est ça. Ça à part de ça, c'est... PS4 et Wii U et Vita. Pour ce jeu-là. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Si on parle d'autres choses, ben je peux parler d'un autre jeu qui m'a intéressé beaucoup et que je connaissais pas du tout, qui m'a fait acheter ceci aujourd'hui. Oh, Dishonored. Ah, oui! Wait, pourquoi t'as acheté celui-là? Good initiative. Pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi? Parce que quand tu précommandes le 2, il vient avec la version remastered, le premier. Oh, mais faut t'attendre. Ouais, faut que j'attende parce que moi, il est déjà sorti. Il est pas prêt, là. Non. Really? Non, je pense qu'il sortait plus tard. Non, je pense qu'il sort au mois de décembre, non? Fait que c'est ça, moi je veux jouer à ça. Fait que Dishonored, j'ai bien trippé avec ce que j'ai vu du trailer. Surtout les mécaniques du passé, du futur, du présent. Oui, ça c'est capotant. Ça a l'air vraiment bien fait. Puis ça a l'air vraiment intéressant. Non, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Sérieux? Ils avaient comme une galerie que tu pouvais voir. Puis c'était plus juste comme de la décoration. Mais j'ai pas pu l'essayer. Merci. Bon, le remaster est déjà disponible. Oh, ouais, je l'ai acheté. Dishonored 2. Il m'a coûté 10$, ok? 10$! J'ai le dos de capote. T'as pu sauver 50 cents sur G2A! J'ai. Wow. Je l'avais acheté pendant un Steam Summer Sale, si je me trompe pas, ou Winter Sale. Pis ah, moi avec? J'y avais joué. C'était le Winter, parce que j'avais joué pendant mes vacances de Noël. Puis un j'aime, ce jeu-là. Là. Genre, c'est pas super connu, mais c'est tellement bon. Hein? C'est un bon jeu de stealth, puis c'est qu'est-ce que c'est pas obligé de stealth, c'est ça qui est le fun aussi. Ils ont pas obligé de stealth. Okay, stealth. Effectivement, ouais. Mais tu peux finir le jeu sans tirer une seule balle, right? Tu peux tout faire le jeu en stealth si tu veux, comme tu peux rendre. Est-ce que j'ai compris? Mettons tu fuck up. Non mais ça c'est le 1, mais je pense que dans le 2 c'est la même chose, CMS. Mais au moment que tu fuck up, tu peux sortir tes guns puis whatever. Mais c'est super bon comme jeu. Si vous avez jamais eu la chance de jouer à Dishonored, Matt, tu as trippé, je suis sûr. En tout cas, j'espère que tu as trippé. Je sais que t'es pas un grand fan de rester caché super longtemps. Là. Rester caché, c'est quoi ça? Ouais, exactement. Non, mais c'est ça. Moi, je suis un gars que je fonce dans le tas normalement. Fait que, ouais. Pour ça, Alex m'a dit, tu peux foncer dans le tas comme tu veux ou tu peux te cacher. Fait que c'est ça qui m'a intéressé du jeu. Fait que, puis qu'est-ce que j'ai vu justement sur le... dans le trailer de Bethesda, ça m'a beaucoup intéressé. Puis moi je pensais honnêtement que Dishonored c'était un générique Call of Duty. Là. Right. Fait que à voir que c'est quelque chose de très différent avec un concept différent. C'est vraiment ça. Ça m'a beaucoup intéressé au jeu. Fait que en tout cas, c'est peut-être un autre de mes coups de cœur que j'ai hâte de voir. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est moi je suis excité. Cool. J'ai les pantalons mouillés là. Ouais, moi aussi. Tu mouilles? Ça risque d'être très intéressant, c'est sûr. Ah, c'est dommage que t'as pas eu la chance d'essayer, CMS. Non. T'étais trop occupé. Ouais, ça, t'sais, déjà qu'il y avait des places qui avaient beaucoup de fils, puis j'avais d'autres choses à faire aussi pendant ce temps-là. Ouais. Donc, j'ai pas pu tout essayer, malheureusement. Il y a beaucoup de trucs que j'ai juste vus visuellement. Ok. God damn it, communicate! Le dos de capote.
On t'a engagé pour rien! Wow! T'as-tu un autre gros jeu que t'as essayé, que t'as bien aimé, Coleman's Gate? Ouais, ben, je sais pas si vous voulez finir peut-être sur Sony rapidement avant de. Sure. D'aller. Sure. Sony, ben, comme vous avez vu, il y a Days Gone que oui. J'ai pu revoir dans le theater. Le jeu semble intéressant. Le seul problème, c'est que ça a l'air juste comme Kill Them All. Exactement. Ce qu'on voyait du jeu. Puis quand je suis retourné dans le théâtre, c'était la même chose. Là. C'est genre des ennemis qui n'arrêtent pas d'arriver, Puis tu shoot, ils sont trop proches de toi, tu recules. Tu lances une grenade, tu lances du feu. Ah, ils s'en viennent vers toi, tu recules. Tu les shoot. Ouais, sincèrement, on a eu comme un le gars joué pendant 15 minutes. Puis il y a genre 2 minutes qui a un peu d'histoire. Puis les 13 autres minutes, le gars fait juste shooter sur des zombies. Ben, c'est ça qui nous est plaisant un peu de jeu-là au début. On est comme, hey, ça a l'air vraiment cool, tu sais. Puis même que, tu sais, je m'attendais, même en voyant la cinématique, ça va déboucher vers quelque chose avec The Last of Us. Je pense que les 4 premiers jeux qui ont été annoncés par Sony, à chaque fois, on était comme, Naughty Dog, it's Naughty Dog. Chaque fois, il y avait cette vibe-là dans tous les jeux qu'on montrait. Ouais. Puis celui-là, c'était vraiment le plus intense. Là. Même la musique, ça ressemblait tellement à The Last of Us. Yep. Finalement, quand j'ai vu tous les zombies, c'est là que j'ai jeté un peu turn-off, genre de voir. Ouais. Tu sais, le fait qu'il y en ait tellement puis qu'ils meurent autant aussi vite, je sais pas, man, ça me donnait. Ça faisait en sorte que justement les zombies n'avaient pas l'impact que moi j'espérais qu'ils aient. C'est-à-dire avoir peur d'eux. Ouais. C'est juste une grosse masse. T'sais, là, je me sentais plus comme dans Left 4 Dead, dans le fond. Mais exact. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé plate du trailer, c'est que ça a commencé quand on voyait le gars puis il se battait contre un ou deux zombies à la fois. Ouais, c'est ça, ça avait l'air comme. Puis là, après ça, il s'en va sur le toit, puis t'as comme 70 000 qui foncent dessus, puis il est dessus comme si c'était du beurre à pain. Ça, puis après, ils regardent en bas, puis t'en as comme encore 200 qui sont en train d'agiter. C'est ça, des zombies. Des zombies, c'est censé être fucking faible, right? Tu sais, c'est des corps. J'aime beaucoup plus les zombies de Last of Us avec des fucking zombies qui deviennent plus forts. C'est pas des zombies. C'est deux façons de voir l'univers des zombies, I guess. Mais c'est ça, Last of Us, c'est pas des zombies, c'est des plantes, right? C'est genre des humains qui ont été avec des plantes. Mais ça reste un virus, un peu. Ouais, mais un virus. Tu regardes, si tu te promènes dans la ville puis tu te ramasses à Mont-Joli avec des zombies, ben tu vas pas avoir 46 000 zombies qui vont te foncer dessus parce qu'il y en a 4 dans la ville. Ben oui, mais si t'es au métro Longueuil, par contre, tu vas en avoir 46 000 zombies. C'est ça l'enfer. Non, probablement pas autant que ça. Je suis sûr que la population est même pas aussi grande que le nombre de zombies qui foncent dessus. C'est une fucking grange. Right, ça c'est vrai, par contre. C'est une grange! C'est vrai qu'il est comme au milieu du bois, pis genre, il y a comme, on dirait que c'était un camp, genre, de je sais pas quoi, que genre, tout le monde vit un par-dessus l'autre, là. Il y avait tellement de zombies, c'était ridicule, là. Mais c'est quoi le but du jeu? C'est quoi le but du jeu? Thomas. C'était Duda, il a pu juste s'enfuir. On n'en a même pas vraiment parlé. Ouais. Quand il jouait, il faisait juste nous expliquer que, genre, il fallait tuer des zombies. C'était pas mal, juste ça. Yeah. Mais ça avait l'air de ça. C'est ça le problème. C'est l'image qu'on a eue du jeu. Ouais. On sait pas où ça s'enligne. Est-ce qu'on s'enligne vers un Heavenly Sword par contre? Est-ce qu'on un jeu qui a l'air vraiment cool, mais finalement ça va être genre 6 sur 10? Même au niveau du gameplay, tu sais, ça a l'air très rudimentaire. Je veux pas. Mettons s'arrêter ça, Alex, ce que tu me dis, tu sais, qu'il y a un côté un peu comme 4 player co-op ou whatever. Mais on aurait vu d'autres joueurs s'impliquer, on aurait vu d'autres types de zombies aussi. T'sais, là, on voit tout le même type de zombies. Que tu tues à profusion non-stop, tu sais. Tu sais, tant qu'à montrer du gameplay, tu sais, mettons Horizon, c'est un peu le même concept. On n'a pas eu rien au niveau de l'histoire. Mais le gameplay est tellement nice. Ouais. C'est tellement, tu sais, c'est tellement varié pour, tu sais, juste le fait que tu peux capturer une bête pour la chevaucher, juste le fait que tu peux, justement, éliminer un des robots d'une manière vraiment, vraiment variée et ardue. Ouais. T'sais, ça, c'était cool. T'sais, là, tu vois que le gameplay il est nice, mais là, ce que tu vois, c'est un double qui sauve et qui tire des massives, masses de zombies non-stop, t'sais, sans rien. C'est juste un peu ça le problème de ce jeu-là. Mais en même temps, c'est vite pour le juger. C'est juste que j'ai pas l'impression qu'on nous a montré la meilleure chose pour vendre ce jeu-là. On dirait qu'ils ont montré plus qu'est-ce que le jeu était capable de fournir en termes. Parce que graphiquement, quand je l'ai regardé, il n'y avait aucun lag. Donc, on dirait qu'ils essayaient de montrer. Qu'est-ce que le jeu est capable de fournir, mais j'espère qu'ils vont montrer plus que genre juste vous allez pouvoir tuer des zombies pendant 10 minutes sans arrêt.
turn off pour moi, sincèrement. Genre, ça sert à quoi de tirer dans un mur de zombies? Il n'y a aucune satisfaction, t'as aucun sens de. T'sais. Ça, c'est le genre de jeu que genre, je précommanderais pas, mais que je vais attendre de voir comme. Ça, c'est le genre de jeu que je veux en voir plus pour me convaincre. Il y a des jeux, je suis comme, ok, j'en ai assez vu, je veux pas en voir plus, c'est correct, je suis déjà convaincu. Lui, j'ai besoin de plus pour me convaincre parce qu'en ce moment, je sais pas où ça s'en va. Moi aussi. Les jeux avec les waves de zombies, le seul que. Tu sais, il y a fucking. C'est quoi son nom? Dead Rising. Tu sais, ils ont changé le jeu justement pour que ça soit drôle puis que ça soit intéressant à jouer, même si c'est des waves de zombies, tu peux leur faire jeter avec n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on verra pas dans ce jeu-là. C'est ça. Tu sais, on voit même pas trop qu'est-ce qui se passe avec le personnage non plus. À un moment donné, comme, ok, là, on sentait qu'il y a des bouts qu'on voulait démontrer de quoi avec l'histoire, qu'on voulait comme essayer de nous accrocher avec l'histoire, mais non, ça allait pas plus loin que voir un dude, là. À la limite, je vais m'acheter Black Ops puis je vais jouer au zombie mode que ça ressemble pas mal à la même chose. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Ça va être intéressant à voir. Là. Sincèrement, là, j'en reviens toujours pas, mais je m'attendais vraiment à ce qu'à la fin de cette démo-là, le dude il est comme « Ah! J'ai réussi à m'en sauver! » Puis là, bam! Il se fait éclater la tête. La caméra bouge. Puis tu vois Joel c'est avec Joel un... C'est Joel avec un gun dans les mains. Puis il est juste comme « God damn it, Ellie! » Puis là, The Last of Us 2.